Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière mise à jour concernant Sext.io. Donc, nous allons parler de leur mini-application Telegram. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette mini-application, sachez que c'est l'une des plus fiables et l'une des applications qui va rapporter le plus d'argent. Donc, j'ai déjà réalisé une première vidéo pour vous présenter la première version et aujourd'hui, nous allons revenir sur la mise à jour. Pour ceux qui étaient déjà sur l'opportunité, suivez attentivement pour comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser les gains de la première saison. Pour ceux qui n'avaient pas pu rejoindre lors de la première saison, suivez également pour voir comment est-ce que vous pouvez vous rattraper et générer le maximum d'argent grâce à cette opportunité. Donc déjà, pour pouvoir démarrer, si vous êtes totalement nouveau, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le tout premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors juste après avoir cliqué sur ce lien, normalement, vous allez être redirigé vers cet article sur notre canal Telegram. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre Telegram, c'est l'occasion de le faire dès maintenant parce qu'on partage plusieurs opportunités en priorité sur le canal Telegram avant que ça ne vienne sur YouTube. Donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez donc simplement cliquer sur le lien pour lancer la mini-application. Alors une fois que vous avez fait, vous appuyez simplement sur démarrer. Et là, vous appuyez sur démarrer l'application. Vous appuyez sur démarrer et l'application va démarrer. Vous allez donc pouvoir commencer à générer des gains avec. Alors ici, vous allez toujours appuyer sur prochain pour voir les mises à jour. Donc là, on lance l'application maintenant et voilà comment est-ce que ça va se présenter. Donc si vous êtes totalement nouveau, vous allez voir que là, vous n'allez rien obtenir. C'est-à-dire, vous allez voir la puissance sera zéro. Tout sera zéro sur votre compte. Mais si vous avez déjà participé à la première saison, le nombre de tokens que vous avez reçu va être immédiatement converti en puissance de minage ici. Donc ici, ça va devenir votre puissance de minage et ça va vous permettre de commencer à générer des tokens par heure. Ici, vous allez voir qu'il y a deux types de tokens et vous suivez attentivement pour voir comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour avancer. Donc là, je vous ai déjà présenté un peu ce qui va se passer quand vous allez ouvrir l'application. Donc maintenant, on va retourner sur un autre compte sur lequel il y a déjà de la puissance de minage pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on peut l'utiliser concrètement. Ici, nous allons commencer par la pièce centrale ou bien par l'élément central de l'application, c'est-à-dire le bouton qui permet de tapoter et donc de générer des pièces. Donc, quand vous allez tapoter ici, vous allez donc générer des pièces qui vont apparaître là. Et tout en bas ici, vous pouvez voir la quantité de pièces que vous pouvez miner à chaque fois. Donc, quand vous aurez fini de miner, vous devez patienter que la jauge se remplisse à nouveau et vous allez encore miner. C'est exactement comme avec notre coin ou bien avec les autres applications. D'accord? Donc, à chaque fois que vous allez miner ces pièces-là, vous pouvez les utiliser pour pouvoir acheter des cartes ici. Donc, si nous venons sur cette partie, vous allez voir que vous aurez la possibilité d'acheter des cartes là. Ici, donc supposons si on veut acheter une carte ici, vous pouvez voir que quand vous allez donc acheter la carte va vous permettre d'avoir une certaine quantité de tokens. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine vitesse de minage. Alors, les tokens là que vous allez obtenir vont s'ajouter directement ici. Donc, les Sext.io vont s'ajouter directement ici et ça va vous permettre d'augmenter votre vitesse de minage à ce niveau. D'accord? Donc, c'est ça. Et maintenant, à chaque fois que vous allez donc acheter des cartes, cela vous permet donc d'augmenter directement la vitesse de minage et d'avoir encore des pièces qui permettent d'augmenter doublement la vitesse. Voilà à quoi ça sert. Donc, ici, vous allez revenir régulièrement pour acheter des cartes pour augmenter votre vitesse. Alors ici, si c'est que nous venons sur la partie tâche. Sur la partie tâche ici, vous avez la possibilité d'accomplir des tâches pour avoir donc les tokens. Ce sont ces tokens-là qui nous permettent d'améliorer nos cartes. Donc c'est à ça que ça sert. Ça nous permet d'améliorer nos cartes. Donc vous allez donc passer sur cette partie-là. Vous allez donc accomplir toutes les tâches qu'il y a à accomplir pour avoir vos premiers tokens qui vont vous permettre maintenant d'acheter vos premières cartes et donc de lancer la machine. Et n'oubliez pas chaque fois de revenir appuyer à ce niveau. Donc quand vous allez être en train de faire tout ceci, vous allez donc augmenter de niveau. Vous pouvez voir ici que je suis au niveau Silver. Si on appuie là-bas, vous pouvez voir qu'on peut aller jusqu'au niveau Vibranium Miner. Et je pense qu'avec le temps, ils vont sûrement ajouter. Donc, au fur et à mesure que vous accumulez les points, vous allez donc augmenter de niveau. Si vous démarrez, vous commencez par Stone Miner. Et quand vous allez avoir vos 5000 premiers tokens, bien vos 5000 premières pièces, vous allez donc passer au niveau Copper et ainsi de suite, vous allez augmenter. Donc, moi, j'ai déjà pu accumuler plus de 100 000 pièces. Donc, j'ai déjà le niveau Silver. Le prochain niveau, ça sera le niveau Gold. Donc maintenant, quand vous allez être en train de miner, vous pouvez voir que les tokens que vous allez pouvoir miner se retrouvent ici. Et ça, le symbole de Bitcoin.
Alors, pourquoi est-ce que ça a le symbole de Bitcoin? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Si nous regardons tout en bas ici, au niveau de convertir, vous allez voir qu'on aura la possibilité de convertir ces tokens-là qui ont le symbole de Bitcoin en token. En token peut nous servir à acheter des cartes. Et le taux de conversion va être basé sur le prix du Bitcoin. C'est pourquoi ça a le symbole du Bitcoin. Ici, vous pouvez voir, c'est le prix normal du Bitcoin. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, le prix du Bitcoin monte, le nombre de pièces que vous avez pu miner, donc le nombre de pièces là que vous avez pu miner, vont vous rapporter beaucoup plus de sol ici. D'accord? Si par exemple, tout à l'heure, je veux convertir, vous pouvez voir que je peux obtenir 297 854 pièces. Mais si par exemple le prix du Bitcoin monte beaucoup, vous allez voir que je vais obtenir beaucoup plus de pièces. Mais si le prix du Bitcoin diminue, je vais obtenir moins de pièces. Donc c'est une manière de vous apprendre directement comment est-ce qu'il faut apprendre à faire les conversions avec le Bitcoin, bien apprendre à faire le trading pour avoir le maximum de pièces ou bien le maximum de bénéfices. Donc voilà à peu près comment est-ce que cela va fonctionner ici. Donc si par exemple vous voulez avoir davantage de tokens, vous pouvez donc commencer à inviter des amis. Donc, si par exemple vous venez sur cette partie, vous appuyez, vous avez la possibilité de copier votre lien de parrainage simplement ici ou bien de l'envoyer directement sur les différents réseaux sociaux. Maintenant, quand vous allez inviter ces amis-là, comment est-ce que cela peut vous permettre de générer plus de points? Vous pouvez simplement venir sur la partie équipe ici. Quand vous venez sur la partie équipe, vous allez voir la possibilité de gagner une partie de ce que vos amis sont en train de miner. Vous pouvez essayer de le voir directement ici. Vous pouvez simplement appuyer ici pour réclamer ceux qui sont en train de miner. D'accord? Donc, la puissance de minage de l'ensemble des membres de ce pool, c'est de 16 millions. Donc, tous ceux qui sont sur ce pool-là vont vous permettre donc de générer des gains supplémentaires. Et à chaque fois, vous pouvez simplement venir vous appuyer sur réclamer pour donc réclamer ce que les autres ont pu miner pour vous. Donc, ici, vous pouvez comprendre que si vous avez beaucoup d'amis, ça peut vous permettre d'aller vraiment très vite. Pour ceux qui sont déjà sur Hamster Combat, vous connaissez déjà ce mécanisme-là. C'est exactement la même chose que sur Hamster Combat. Simplement qu'ici, ils ne vont pas nous faire tourner en rond pendant longtemps parce qu'ils ont déjà un plan qui est bien établi. C'est une plateforme qui est déjà reconnue sur laquelle vous pouvez donc déjà commencer à faire vos achats et ventes de crypto-monnaie. C'est une plateforme qui est là depuis longtemps. Donc, ce tap to earn, c'est juste une manière de ramener les gens sur leur plateforme. Donc, soyez rassurés. Tous ceux qui vont participer à ce tape to earn vont s'en sortir avec de l'argent. Bien sûr, ça ne sera pas des milliers de dollars, mais quand même, tout le monde va repartir avec des sommes correctes. Donc, c'est tout pour cette petite mise à jour concernant Sexayo. Je vous invite vraiment à prendre ce tape to earn au sérieux parce que ça va réellement payer. On se dit donc à une prochaine fois pour une autre vidéo.